suffis, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, mon ami. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'aime la présence de Dieu, amen. Y a-t-il des gens en ces lieux qui aiment la présence de Dieu? Je disais, y a-t-il des gens qui aiment la présence de Dieu? Si toi aussi tu aimes la présence de Dieu, est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Commencez à acclamer fortement Jésus. Est-ce qu'on peut tous ensemble nous tenir en ces lieux? Commencez à acclamer Jésus. Nous sommes réunis ce soir pour un seul nom, pas autour d'une personne. Nous sommes réunis autour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer sérieusement Jésus? Est-ce qu'on peut commencer à acclamer sérieusement Jésus? Quelqu'un, certainement quelque part, ne comprend pas pourquoi on acclame Jésus. Je vais t'aider à comprendre pourquoi on acclame Jésus. La première raison pour laquelle je te demande d'acclamer Jésus-Christ, c'est parce qu'il nous aime d'un amour qui n'a pas de limite. Amen. Pense à ta vie. Pense à tout ce par quoi tu passes. Pense seulement à ta vie pendant quelques secondes. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tel que je suis là debout, est-ce que je mérite de vivre? Ok, tu viens d'avoir la réponse. C'est la première raison pour laquelle nous acclamons Jésus-Christ. C'est la première raison pour laquelle nous acclamons Jésus-Christ. Parce que je ne mérite pas me tenir devant toi. Je ne mérite pas, mon voisin ne mérite pas être en vie. Mais c'est à cause de sa miséricorde. C'est à cause de sa miséricorde. C'est à cause de sa miséricorde. Jérémie a dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, je meurs au-dedans de moi. Mais une seule chose que je tiens, une seule chose qui me motive, une seule chose qui me pousse à aller de l'avant, c'est quand je pense que tous les jours, il renouvelle ses bontés dans ma vie. Tous les jours, il renouvelle ses bontés dans ma vie. Même quand je ne les mérite pas, il renouvelle ses bontés. Il renouvelle ses bontés. Il renouvelle ses bontés. Ses bontés font en sorte que même quand je ne mérite pas me tenir debout, il me permet de me tenir debout. Même quand moi je ne suis pas fidèle, lui il continue à être fidèle à moi. Même quand, oh my God, j'ai aimé ce que le prophète Joël a dit l'autre fois. Même quand le diable a des évidences pour me cribler comme on crible le froment. Mais la miséricorde de Dieu dit non, 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 non. Il mérite encore la vie. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas arrêter de l'acclamer. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas arrêter de l'acclamer. Quand je suis dans la présence de Dieu, je ne viens pas m'amuser. J'entre dans la présence de Dieu avec la conscience d'une chose. Le Seigneur m'aime. Je vais te donner la deuxième raison pour laquelle on n'arrête pas d'acclamer Dieu. Je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore comme tu veux dans ta vie. Je sais qu'il y a des choses que tu attends du Seigneur. Je sais que tu as des prières qui doivent être exaucées. Mais j'aimerais te dire que pendant que toi, tu as des prières qui doivent être exaucées, pendant que toi, tu es encore en mesure de formuler ta prière devant Dieu, crois-moi, il y a quelqu'un qui n'est même pas en mesure de parler en ce moment. Il y a quelqu'un quelque part qui n'est même pas en mesure de se tenir sur ses pieds. Il y a quelqu'un pour même aller au petit coin a besoin des sondes. Mais moi, je suis là devant. Moi, je suis en train de marcher. Moi, j'ai quitté ma maison. Des fois, on prend la vie pour acquis. Des fois, on prend la vie pour acquis. C'est sa miséricorde, c'est sa bonté. Je ne peux pas arrêter d'acclamer Dieu parce que je suis debout. Ce soir, j'aimerais t'amener à la conscience de Dieu. J'aimerais t'amener à réaliser Dieu. Écoute-moi. Vous savez, peuple de Dieu, à force de vouloir entendre la voix de Dieu à tout moment, à force de vouloir les impositions à des mains à tout moment, à force de vouloir vivre les miracles à tout moment, on a commencé à prendre Dieu pour acquis. On a commencé à prendre Dieu pour acquis. Donc quand je viens dans la présence de Dieu, je m'attends que forcément on prophétise. Je m'attends que forcément quelque chose se fasse. Je m'attends forcément que je tombe par terre. Mais je ne réalise pas que le premier miracle, je l'ai eu quand mes yeux se sont ouverts le matin. Je ne réalise pas que le premier miracle, je l'ai eu quand j'ai quitté ma maison et je suis arrivé au temple. Combien de gens ont fait le même trajet que toi mais ne sont jamais arrivés. Mais toi tu es en ces lieux ce soir. Combien de gens sont sortis de chez eux le matin mais ne sont jamais rentrés. J'étais sur les réseaux sociaux, je voyais un artiste du pays qu'on a publié dans une photo qui était dans un accident de véhicule aux États-Unis. J'ai regardé, j'ai dit, il avait certainement dit à quelqu'un, j'arrive dans 5 minutes. Il avait certainement dit chez lui à la maison, je serai là dans quelques minutes. Mais quelque chose est arrivé. Je refuse de prendre Dieu pour acquis. Je refuse de prendre la grâce de Dieu pour acquis. Tes acclamations sont une prière. Tu as prié en langue, tu as prié avec tes mots, mais ce soir, tu es en train de prier avec tes acclamations. Tu es en train de lui dire, Seigneur, tu mérites la louange, tu mérites la louange, tu mérites la louange. Je ne suis rien, toi tu es tout. Je ne suis rien, toi tu es tout. Namatembele, nangaingai, ozolia, mais ozo vivre kaka. Ceux qui ont des millions ne savent même pas comment se lever, mais toi tu es debout. Toi tu tombes malade, tu prends aspirine de la pharmacie du coin, tu es guéri. mais quelqu'un d'autre, malgré les scanners, malgré la chimiothérapie, il n'a plus de vie. Mais toi, tu es debout. Je refuse de prendre Dieu pour acquis. Je refuse de prendre la grâce de Dieu pour acquis. Je refuse de prendre la grâce de Dieu pour acquis. Je refuse d'entrer dans la présence de Dieu comme n'importe qui. C'est Dieu. Je suis en vie à cause de Jésus. Je parle à cause de Jésus. Je respire à cause de Jésus. Mes acclamations sont une prière. Mes acclamations sont une prière. Mes acclamations sont une prière. Je viens lui dire ce soir par mes acclamations, tu mérites la louange. Tu mérites la louange dans ma vie. Tu mérites la louange dans ma vie. Tu mérites la louange dans ma vie. Oh Dieu, tu mérites la louange dans ma vie. Même quand le diable m'incrimine, même quand les situations du diable, mais les situations de la vie veulent me cribler comme le froment, tu me tiens la main. Tu me tiens la main. Les grands esprits savent qu'ils ne sont rien sans Dieu. Les grands esprits ont la conscience du grand Dieu qu'ils ont. Nous ne sommes pas des grands esprits par nos propres forces. Nous sommes des grands esprits à cause de la conscience du grand Dieu que nous avons. On sait de tous nos cœurs que sans lui nous sommes perdus. On sait de tous nos cœurs que sans lui nous n'avons pas de vie. On sait que sans lui nous ne sommes rien du tout. Amen. Refuse de venir dans la présence de Dieu comme tous les jours. Refuse de venir dans la présence de Dieu sans aucune soif. Entre dans la présence de Dieu. Reconnais qu'il est tout pour toi. Amen. Que ce que tu attends recevoir de la part de Dieu ne te fasse pas oublier ce qu'il est déjà en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je suis vivant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je peux parler. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ta femme, tes enfants sont en vie. Ton mari est en vie. Ta famille, tu n'as pas eu de mauvaises nouvelles depuis le matin. Oh mon Dieu. Est-ce que je ne t'ai pas donné assez de raisons pour acclamer le Seigneur? Est-ce que je ne t'ai pas donné assez de raisons pour acclamer le Seigneur? Est-ce que maintenant, ensemble, la porte des cieux, est-ce qu'on peut prier avec nos acclamations? Je vais te donner 60 secondes. Prie avec tes acclamations. Prie avec tes acclamations. Pendant que tu acclames, tu es en train de louer le grand Dieu. Il est redoutable dans l'assemblée. Prie avec tes acclamations. Oh mon Dieu, ce sont ces types de... acclamations qui font tomber les murs de Jéricho. Y a-t-il quelqu'un qui a un Jéricho qui doit tomber avec ses acclamations ce soir? Je veux te voir prier avec tes acclamations. Ozobeta mabokote, maboko na yo eza mabondeli. Plus tu élèves Dieu avec tes acclamations, tu l'élèves au-dessus de tes problèmes, tu l'élèves au-dessus de la maladie, tu l'élèves au-dessus de la pauvreté, tu l'élèves au-dessus de la sorcellerie. Plus tu acclames Dieu, tu fais voir au monde des ténèbres que j'appartiens à Jésus. Dans ma vie, il n'y a qu'un seul qui reçoit la louange, c'est Jésus. Tu me suis à la télé, commence à acclamer de là où tu es. Tu me suis en ligne, commence à acclamer. Les glaces souvanderi analama kopre analama asha. Ega santera da bababa le kosa. Je vais te donner une troisième raison pour laquelle l'acclamation. Aujourd'hui, tu as appris quelque chose. Est-ce que maintenant tu sais que tes acclamations sont aussi une prière? Bénis Dieu parce que tu as appris cela ce soir. Je vais te donner un témoignage. Je me rappelle une fois, j'étais dans une situation. Je devais aller rencontrer des gens par rapport à un problème que je ne vais pas complètement détailler. C'était dans la sphère des affaires. C'était un problème qui était en train vraiment de me nuire. J'avais besoin de l'intervention de Dieu. J'avais besoin que Dieu intervienne. J'avais vraiment besoin de l'intervention de Dieu. J'essayais d'appeler des gens à gauche, à droite. Il n'y avait pas de solution. Je me suis mis dans mon bureau, je me suis enfermé dans mon bureau, j'ai commencé à prier en langue. Je priais en langue, je priais en langue. J'étais tellement affecté par la situation que Dieu m'a dit, même en langue, je n'arrivais pas à prier. Même les soupirs inexprimables n'arrivaient pas à monter parce que mon âme était fortement abattue. L'esprit m'a dit, tu as prié en langue, tu as prié avec ta bouche, ton intelligence, maintenant tu vas prier avec tes mains. Commence à acclamer. Je dis, Seigneur, je n'ai même pas la force pour acclamer. J'ai commencé à acclamer dans mon bureau. J'étais tout seul. Je suis sûr que mes agents se disaient, mais le chef aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? J'étais en train d'acclamer, j'acclamais, j'acclamais. Et plus j'acclamais, la force montait, la force montait, la force montait. Et quand je suis allé vers la situation, le problème était complètement résolu. Et ces jours-là, j'ai compris. Ces jours-là, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre qu'il y a de ces dimensions dans la sphère spirituelle qui demandent la conscience du grand Dieu que tu as. Il y a des dimensions dans la sphère spirituelle. Il y a des problèmes qui ne nécessitent même pas que tu dises au nom de Jésus. Ces problèmes-là veulent seulement être rassurés que tu as la conscience d'un grand Dieu qui marche avec toi. Et tes acclamations rappellent à Dieu que peu importe ce par quoi je passe, c'est toi qui es le plus grand. C'est toi qui mérites ma louange. C'est toi qui mérites ma louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans un problème ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux? Oh, je demande d'acclamer, mais je te vois assis. Je demande d'acclamer, mais je te vois assis. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut commencer à acclamer prophétiquement? Je veux que tu acclames, que tu dises à ton problème, toi tu es problème, mais au-dessus de mon problème, il y a Jésus. Au-dessus de ma maladie, il y a Jésus. Au-dessus de mes situations, il y a Jésus. Il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus. Pendant que tu acclames, le ciel est en train de s'ouvrir. Est-ce que tu peux acclamer? Ce que tu es en train de faire est prophétique. Je ne suis pas en train de gagner le temps. Tu es en train de prier. Je cherche quelqu'un de prophétique ce soir. Acclame encore, acclame encore. Acclame encore. Oh Yabakashaya. Oh Yabakashaya. Kayapale Sapra. Tu arrêtes parce que tu n'as pas encore bien compris. À cette personne qui est en train de continuer à acclamer, ton miracle est en train de s'installer. Homme de Dieu, ton miracle est en train de s'installer. Kayapa Shaya, Kayapa Saba. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Il y a un mystère derrière tes acclamations. Il y a un mystère derrière tes acclamations. Les acclamations de ce soir vont provoquer un miracle dans la vie de quelqu'un. Les acclamations de ce soir vont provoquer la guérison dans la vie de quelqu'un. Les acclamations de ce soir sont en train d'ouvrir l'atmosphère dans la dimension spirituelle de quelqu'un. Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Quelqu'un est en train de sortir de la culpabilité. Quelqu'un est en train de sortir de ces blocages qui l'empêchaient de se connecter à Dieu. Quelqu'un est en train de monter en esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève tes deux mains vers le ciel. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Merci pour le ciel ouvert ce soir. Merci, 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 merci. Merci pour tes anges en ces lieux. Merci, merci, merci. Merci pour ta présence ce soir. Merci, merci, merci. Zepla terevanta lekio apriana la hosa karele avado sharamantu praki resopranela dana hante karema hala via bras plashonda reada raleko soteremanta la hote kalebanta leva blasa dodosh maleklo sali amanta palasha yandaraba palashande prosope priana la hureve reklosa naraba hante rabakoye nanaha la shanda keada 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 ora sapaleada revadaba mama shante lokale amaladaba opale ananta la shodeva eyabadeva 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 sora de debosha sora de baba baba shayaba. Oh my God, I love you, Holy Spirit. J'aime ce que je suis en train de voir ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Quelqu'un a senti quelque chose? Oui, c'est exactement cela. Si tes ennemis viennent de tomber par tes acclamations. Quelqu'un a senti quelque chose? Oui, c'est exactement ça. Dieu vient de t'accorder cette victoire. Quelqu'un a senti quelque chose? Oui, c'est exactement ça. Ta saison a changé. Amen. Gloire à Jésus. J'aime la présence de Dieu. Amen. Je veux très rapidement nous faire part des communiqués. Et ensuite, nous allons passer encore dans notre temps des prières. Amen. Nous continuons avec Recharge 21. Le Seigneur est en train de nous faire plein de bien. Je disais, le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien pendant ces 21 jours. Y a-t-il des gens qui sont bénis pendant ces moments des prières que nous passons ici? Voilà, je tiens à rappeler les 3 sessions que nous avons. Nous avons la session des minuit. Une session que nous avons à partir de minuit à 1h du matin. Nous avons la guerre de midi. De 12h à 13h, la grande plénière des 16h à 20h. Demain, particulièrement samedi, nous n'avons pas de grande plénière, mais nous avons la guerre de minuit et la guerre de midi, de 12h à 13h. Je tiens à rappeler aux ministres de Dieu, aux ouvriers, par rapport à toutes les contributions concernant Recharge 21. Donc, vous êtes ouvriers, vous êtes membres de l'Église. Nous devons de soutenir cette œuvre qui est en train de bénir des milliers de personnes partout dans le monde avec nos contributions. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc voilà, passez directement à l'administration pour cela. Je tiens à rappeler aussi que l'identification des ouvriers continue et elle se clôture déjà ce 29 août. Donc voyez directement la table derrière au fond de la salle pour vous enrôler. Le ministère des femmes, y a-t-il des femmes, y a-t-il des mamans ce soir? Amen. Donc nous avons un programme, les mamans ont un programme le 26 août de 9h à 12h. Toutes les femmes sont invitées à un grand culte avec le prophète Joël Francis Tatu. Le ministère d'entrepreneuriat, les ministères de partenaires, les ministères de grands projets, c'est un communiqué très important de l'Église que j'aimerais communiquer. Ce vendredi 25 août, nous aurons un culte spécial ici dénommé Recharge financière. Amen. Je disais, nous aurons un culte spécial. C'est un culte qui est ouvert à l'église. Il aura lieu ce vendredi 25 août, 1h30 seulement, de 12h à 13h30, avec lui-même, notre père spirituel, le prophète Joël Francis Tatu. Tous les employés, les employeurs, vous travaillez, vous êtes dans le domaine séculier, vous êtes invités à ce grand programme. Notre Père spirituel va parler et aussi il va prier pour chacun d'entre nous. Déjà, je nous demanderai de préparer nos points de contact. Viens avec ton projet, viens avec ton CV, viens avec tout ce que tu attends de la part du Seigneur. Viens même avec une offrande pour sceller ces instants-là. Prépare déjà cela parce que le Seigneur va sérieusement nous visiter. L'homme de Dieu va prier pour nous, il va prophétiser sur nos affaires et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Nous avons vraiment voulu pendant Recharge avoir notre Père spirituel qui prie pour nos affaires. N'est-ce pas formidable? Nous aurons l'homme de Dieu qui va prier pour nous. C'est un homme qui, quand il déclare beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat, les choses avancent. Je suis l'un des résultats de ce qu'il a déclaré. Amen. J'ai vu la main de Dieu et je sais que quand il va déclarer sur toi aussi, ta vie financière va changer. Ah, des fois, les gens pensent qu'on dit des choses parce qu'on veut seulement les dire. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il a déclaré sur moi comme ça par rapport au travail. J'ai vu non seulement le Seigneur stabiliser le travail en question, mais donner une position qui était supérieure par rapport à ce que je devais normalement avoir. Donc quand il déclare sur le travail, quand il déclare sur le monde, le domaine de l'emploi, croyez-moi, les choses se font. Et je crois que Dieu va te faire du bien. On va continuer à rappeler cela. Invite tes collègues, invite tes amis qui travaillent dans différentes structures. On se voit ici vendredi 25 août de 12h à 13h30. Ministère de la formation, spécial baptême Recharge 21. C'est prévu aussi pour ce samedi 26 août. Pour ceux qui désirent se baptiser, enregistrez-vous auprès du pasteur Mike Lukubama et du frère Glodingoy. Amen. 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 Est-ce que je peux nous parler un tout petit peu concernant les offrandes ce soir? J'ai deux textes que je vais nous lire rapidement. Merci d'acclamer. Comme tu acclames, j'aimerais que tu le fasses très bien. Amen. Gloire au Seigneur. Exode 20, Exode chapitre 20, le verset 24. Je vais lire très rapidement au nom de Jésus. Tu me lèveras un autel des terres sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action des grâces. Tu me lèveras un autel des terres sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action des grâces, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon ange, je viendrai à toi et je te bénirai. Partout où je rappellerai mon nom. Dans d'autres versions, partout où mon nom sera invoqué, partout où mon nom sera appelé, je viendrai à toi. Je vais nous lire aussi très rapidement un texte que j'aime beaucoup dans le psaume 20. Dans le psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que des sillons il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Amen. Dans les premiers textes, lorsque je lisais et que j'ai lu le deuxième texte, vous voyez avec moi qu'il y a une relation entre les deux textes. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler d'un Dieu qui se manifeste lorsqu'on l'invoque. Dieu est en train de mettre, Dieu est en train d'établir ici le cadre par lequel il descend lorsqu'il est invoqué. Vous vous rappellerez encore de l'histoire des Balaam et des Balak dans la Bible. Vous vous rappellerez que lorsque le prophète, permettez-moi l'expression, lorsque le prophète devait invoquer Dieu pour que Dieu descende, il devait dresser des autels parce qu'il avait conscience que lorsque nous invoquons le nom de Dieu, l'une des raisons, l'une des choses qui fait en sorte que Dieu descende afin de visiter, afin de répondre, afin de parler, c'est lorsque l'autel est dressé. En d'autres termes, les personnes qui vivaient dans l'ancien temps savaient que lorsque je veux avoir Dieu, l'une des voies par lesquelles je passe pour atteindre la voie de Dieu, c'est dresser un autel. Même les prophètes de nos jours le savent. Il y a de ces dimensions, il y a de ces dimensions des révélations auxquelles Dieu ne va ouvrir à mon esprit que lorsque je fais une certaine offrande. Amen. Est-ce que je parle à un grand esprit ce soir? Est-ce que je peux t'emmener dans les sphères spirituelles ce soir? J'aimerais t'emmener ce soir dans la sphère spirituelle concernant les domaines des offrandes. Et dans le texte que nous avons lu dans Exode, vous voyez avec moi ici que Dieu est en train d'établir les principes. Il est en train d'établir les normes par lesquelles il descendra. Et il dit clairement que lorsque ces offrandes seront données, lorsque ces holocaustes seront donnés, là où mon nom sera invoqué, je descendrai. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque nous allons dans le psaume, dis avec moi, avance prophète. Quand on va dans le psaume maintenant, ici, le psalmiste commence à détailler les interventions de Dieu par rapport à une offrande qui est posée dans sa présence. On est bien d'accord. Il dit dans le premier verset que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Ça veut dire que dans la vie sur terre, il arrivera que j'ai des jours où je passe par la détresse. La deuxième chose qu'il dit, que le nom de Dieu de Jacob te protège. Ça veut dire que vivant sur la terre, il existera le jour où je serai en insécurité. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Ça veut dire que pendant que je suis sur la terre des humains, il y aura des séjours où j'aurai besoin d'une intervention divine. Mais maintenant, il ne se limite pas seulement à établir les principes, les sphères, les dimensions dans lesquelles Dieu pourra intervenir, mais il nous fait comprendre exactement ici comment cela se passera. Il nous dit que pendant que tu seras dans la détresse, Dieu se souviendra de ton offrande. Pendant que tu seras en insécurité, pendant qu'on essaiera de te kidnapper, oh mon Dieu, pendant qu'on essaiera de te faire du mal, Dieu se rappellera de ton offrande. Parce que ton offrande a la capacité de te protéger. Ton offrande a la capacité de te sortir de la détresse. Ton offrande a la capacité de secouer les anges de Dieu afin de te sortir de la situation difficile dans laquelle tu es en train de passer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui est en train de passer par la détresse, quelqu'un qui est en train de passer par des situations compliquées, quelqu'un qui est en train de passer par un temps où tu as besoin d'un secours. J'aimerais te dire que dans la sphère spirituelle, Dieu a établi un canal qu'on appelle l'offrande. Lorsque tu as ton offrande avec toi, lorsque ton offrande est dans le temple de Dieu, lorsque ton offrande est dans l'autel de Dieu, crois-moi, s'il s'avérait que tu passes par une situation compliquée, cette offrande aura la capacité de crier. Dans ton offrande, il y a ton sang. Dans ton offrande, il y a ton sacrifice. Dans ton offrande, il y a des moments de travail les plus durs. Et pour la petite histoire, les sangs crient. Si le sang crie, ça veut dire que l'offrande crie aussi. Si le sang d'Abel a crié, ça veut dire que, oh my God, ton offrande peut aussi crier. Et du reste, pour la petite histoire, il nous est dit dans la Bible que le sang de Jésus-Christ a crié plus que le sang d'Abel. Pourquoi le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel? Parce que le sang de Jésus-Christ est une offrande. Le sang de Jésus-Christ est une offrande livrée pour l'humanité. Voilà pourquoi, comme je nous disais toutes les fois, quand nous passons par la maladie, quand nous passons par des temps compliqués, la Bible nous dit que c'est par son sang, par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que l'offrande rappelle à Dieu que moi j'avais coulé pour que cette personne ne soit pas malade. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un ce soir que l'offrande que tu emmènes dans la présence de Dieu apporte la guérison dans ta vie. Que l'offrande que tu emmènes dans la maison de Dieu apporte le changement dans ta destinée. Je ne sais pas quelle est la détresse par laquelle tu es en train de passer. Je ne sais pas quelle est la situation compliquée. Quel est le manque dans lequel tu es en train de passer. Peut-être que le diable t'a emmené dans la pauvreté. Peut-être que le diable a ouvert un puits afin de prendre tes finances. Mais je viens te dire ce soir que l'offrande emmène la capacité de te restaurer. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de restaurer dans ses finances. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de relever. Tu es passé par des moments compliqués. Tu ne savais pas comment te relever. Ce soir, l'offrande que tu emmènes a la capacité de rappeler à Dieu ses alliances avec toi. J'ai envie de prophétiser. Je disais, j'ai envie de prophétiser. Je vois les semences de quelqu'un. Je vois les offrandes de quelqu'un. Commencez à rappeler à Dieu que celui-ci ne doit pas être pauvre. Ton offrande est en train de crier dans la présence de Dieu. Celui-ci ne peut plus être pauvre. Ton offrande est en train de rappeler à Dieu que le temps est arrivé où sa saison doit changer. Est-ce que Moutoua Nazawa? Est-ce que Moutoua, il faut venir changer à Zawa? Après ça, ramène à bien. Donne-moi un amen qui arrive ici. Donne-moi un amen qui dérange les sorciers de ta famille. Je disais, donne-moi un amen qui dérange les sorciers de ta famille. Tes finances sont en train de changer. Je me dis en ces lieux, je déclare et je prophétise, comme fils de prophète et prophète, qu'à partir de ce soir, tu entres dans une nouvelle saison financière. Je déclare qu'à partir de ce soir, ta vie change complètement. Je déclare qu'à partir de ce soir, ta destinée change complètement. Tu me suis en ligne, ne reste pas à côté. Envoie aussi ton offrande. Parce que la même onction qui est en train de descendre ce soir, Dieu l'accorde à quelqu'un qui me suit en ligne. Prends avec toi ton offrande. Dieu de Sion, qu'il se rappelle de ton offrande et qu'il descende afin de te secourir. Je cherche quelqu'un. Prends ton offrande entre ta main droite. Lève-toi et lève ta main droite vers le ciel. Tiens ton offrande dans ta main droite. Et lève ta main droite vers le ciel. Pourquoi on le fait? On connecte ce que nous avons sur la terre à ce que nous avons au ciel. Je suis convaincu que nous avons plus de richesses au ciel sur la terre. Pendant que ta main droite est levée, cet argent qui monte vers le ciel appelle tes finances qui sont au ciel afin de descendre sur la terre. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Et je veux prier. Il est blasonné à la roue sagriada d'adabo chante. Prala segrede ria resane la hagla savadebra. Je déclare sur tes finances la multiplication au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ton argent la multiplication au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur tes affaires la multiplication au nom de Jésus-Christ. Le manque ne fera plus jamais partie de ton jargon. Le manque ne fera plus partie de ton vocabulaire. Nazanangote et Sili Lelo au nom de Jésus. Nazanambongote et Sili Lelo au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, toi aussi tu en as. À partir de maintenant, toi aussi tu deviens une source. À partir de maintenant, Dieu bénit le monde par toi. À partir de maintenant, Dieu bénira ta famille par toi. À partir de tes finances, Dieu solidifie les finances de ta famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Prépare ta bonne offrande, avance avec. Tu me suis en ligne, avance avec ton offrande aussi. En ligne, envoie directement ton offrande. C'est un $1000, c'est un $500. Va directement dans tous les moyens de paiement. Va sur PayPal, va sur M-Pesa, va sur Western Union. Envoie ton argent, envoie cette offrande. Pendant que tu es en train de le faire, que la même grâce qui est dans cet hôtel descende sur toi. Que le Dieu du prophète Joël Francis Tatu te visite afin que tes finances soient transformées pour toujours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main? Est-ce que quelqu'un peut maintenant? Je sens qu'il y a la joie dans la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu, en tout cas, il y a la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Donc je n'ai rien à forcer parce qu'ils le savent déjà. Donc je ne rappelle pas, je sais qu'ils savent que quand on acclame Dieu, il faut pousser aussi des cris de joie. Ils le savent. Ils savent que les cris de joie, ça fait du bien à Dieu. Alléluia. On va célébrer Dieu ce soir. Nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, Yahweh, tu es Dieu, Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi de rois. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi de rois. Hey, solaya ya, mwana ntambi ukalomba na solaya ya. Hallelujah. Solaya ya, mwana ntambi ukalomba na solaya ya. Hey, kese ya, mwana ntambi ukalomba. na kese ya ya kese ya ya wanata bibukalo na kese ya kese kese ya ya mwana zambi bukalomba na kese ya ya hallelujah kese ya ya mwana zambi bukalomba na kese ya ya sola sola ya ya mwana zambi bukalomba na sola ya ya sola ya ya mwana zambi bukalomba na sola ya ya sola ya ya sola ya ya mwana zambi betama boko sola ya ya je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux célébrer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais sauter pour Jésus. Il est le roi. Sauter, 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 sauter. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux crier pour Jésus. Il est le roi. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel. Oh, bolingo nangana Yesu, bolingo ya sukate oh. 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 Bolingo nangana Yesu, ezanga suka eh. Bolingo nangana Yesu, bolingo ya sukate oh. Yesu babeta kio polanga ye. Alléluia. Bababa kio polanga ye. Alléluia. Babeta kio polanga ye. Alléluia. Bababa kio polanga ye. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il est mon confident. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ba mama ba beti mololo. Alléluia. 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 To pepi to pepi. Alléluia. Alléluia. Oh masia kumame. Masia kumame. Mwana na tambe akumamele. Masia kumame. Masia kumamele. Masia kumame. Mwana na tambe atombwa miawe. Masia kumame. Tobeti maboko atombwa mie. Masia kumame. Tobeti milolo atombwa miele. Masia kumame. Tobini tobini atombwa miawe. Masia kumame. Tosote atombwa miawe. Masia kumame. Mwana na tambe atombwa mie. Masia kumame. Masia kumamele. Masia kumame. Masia kumamele. Masia kumame. Masia salabo salabo salabo. Oh tokolonga pona Yesu. Oh tokolonga pona Yesu. Tolongi malage pona Yesu. Tolongi kindoki pona Yesu. Tolongi bobola pona Yesu. Oh tolongi 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 Tolongue, pour ce cri de joie, dansez, la danse est la victoire, on y va, dansez, 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 Acclamer les seigneurs. Est-ce qu'un grand esprit peut acclamer les seigneurs? J'entends dans mon esprit la chanson qui dit « Jésus, nous te louons, nous t'élèvons plus haut. » Jésus, Jésus. Incline ta tête dans la prière. Incline ta tête. Alléluia. Commence à parler en langue. Par une voix faible, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Celui qui prie en langue dit des mystères. Ne restez pas assis, lève-toi. Circule. L'auteur et le consommateur de notre foi. Shada mama mama, shada baba baba baba, shada baba baba, soda baba baba, shada baba. Là où tu es, lève ta voix, lève ta voix. Commence à prier. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Shada mama mama mama. Un grand esprit doit prier. Shada baba baba baba. Est-ce que tu peux te connecter à la source? Est-ce que tu peux prier? Shada baba baba baba. Shede de de bosha. Sana da da baba baba. Shede de mokaya. Sora baba baba. Shede de bosha. Sada baba baba. Shada baba baba. Commence à battre les mains, commence à prier. Shede de bosha. Sora baba baba. Shede de bosha. Sana na na masha. Tu viens du travail, c'est la fin de la semaine. Tu es épuisé, mais tu peux te connecter en esprit. Jésus, je te loue, je te bénis. Tu es élevé, je t'élève au-dessus de toutes choses. Ne me regarde pas, sois en prière, sois en prière. Lève les mains. Chédé de Bocha. Chédé de Bocha. Sama Baba Baba. Shada Baba Baba. Ramène tes pensées en ce lieu. Ramène tes pensées en ce lieu. Nous sommes dans la semaine de recharge. Nous sommes pendant recharge. La prière, c'est la voie par excellence pour se recharger. C'est par la prière que les hommes spirituels se rechargent. Jésus avait l'habitude de sortir un moment dans la ville pour aller prier. Il se mettait toujours à l'écart. Est-ce que tu peux te mettre à l'écart dans ton esprit? Alors que tu seras en train de prier, Dieu restaure ton hôtel de prière. Dieu restaure ta vie de prière. Dieu restaure ton intimité. Dieu restaure. Dieu restaure. De la même manière que les techniciens de la SNEL sont obligés de réparer des câbles pour qu'il n'y ait pas coupure. Sont obligés de changer des pièces pour qu'ils ne puissent pas avoir coupure d'électricité. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu restaures ton intimité, tu restaures ta vie de prière, tu recevras le flot de l'esprit. Tu... Mayamamasa, Malamamasa, Chédebo Bobobo, c'est... Chopa, Cédebo, Lélebocha, Cédebo, Saraba. Ne laisse pas la fatigue te dicter. Ne laisse pas la fatigue te dominer. Cédebocha, Cédebocha, Charababocha, Rabababaché. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de la prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. À la connaissance, ajoute la pratique. À la parole, rajoute la prière. Aux enseignements, rajoute la prière. Pour que ton esprit puisse se développer. Pray. 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 Prie, prie, Satan. Eh Dieu. Quelqu'un est connecté à partir de Brazzaville. Quelqu'un est connecté à partir de Kinshasa. Quelqu'un nous suit à Maluku. Quelqu'un nous suit à Lubumbashi. Quelqu'un est connecté à partir d'Abidjan, du Cameroun. Quelqu'un est connecté à partir de Conakry. Quelqu'un est connecté à partir de Boujouboura, de Lubumbashi, de Lusaka, de l'Afrique du Sud. Lève la voix. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. La vie de Dieu, la vie de Dieu. Surababa, Sidanama, Sabaraba, Sarababa, Sidere, Sarababa, Sarababa, Sidere. Pray, 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 Sapa, Sapa, Surababa, Sidere, Satanana, Sidanaba, Sidere. Pray, 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 Sidere. Sarababa, Sarababa, Surababa, Shedededebo, Saparababa, Sarababa, Shedededebo, Sarababa. Mets-toi à genoux, lève les mains, sois debout, circule, mais sois en prière, sois en prière. Parababa. Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, ta miséricorde, ô Dieu, ta miséricorde, ô Dieu, ta miséricorde, ô Dieu, ta grâce, ô Dieu, ta miséricorde, ô Dieu, sur tous ceux qui sont connectés maintenant, ô Dieu, ta grâce, ô Dieu, ta miséricorde, ô Dieu. Nous sommes en train de prier comme une assemblée des saints. Nous élevons la voix, ô Père, que ta miséricorde repose sur nous, que ta miséricorde, ô Dieu, Jésus, 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 ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde sur toutes les personnes qui sont connectées, ta grâce, ta miséricorde sur quelqu'un qui est fatigué, ta grâce, ta miséricorde sur quelqu'un qui est épuisé, ta grâce, sur ta miséricorde sur ces grands esprits qui veulent faire marche arrière, ta grâce, ô Dieu, ta grâce, ô Dieu, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Sans ta miséricorde, nous ne sommes rien, nous ne sommes rien. Sans ta miséricorde, Zambe Mawanayo, Mawanayo Likorobo Moinanga, Mawanayo Likorobo Moinanga, Nous avons des challenges, nous avons des combats, nous avons des réalités. Ta grâce, oh Dieu, ta miséricorde sur un projet de mariage qui manque d'argent, sur un projet de travail qui manque de financement. Ta grâce, oh Dieu, sur un grand esprit qui commence à être déchargé. Ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde sur un couple au bord de divorce. Ta grâce, ta miséricorde, oh Dieu, ta grâce, ta miséricorde sur un grand esprit qui est en pleine confusion. Ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, oh Dieu, ta miséricorde, ta grâce, oh Dieu, ta miséricorde, ta grâce, oh Dieu, ta grâce, ta miséricorde, fais miséricorde à quelqu'un à cause de Jésus, fais miséricorde à quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un tomber, ne laisse pas quelqu'un te déconnecter, ne laisse pas ce grand esprit s'éteindre, ne laisse pas ce Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, ne laisse pas ce projet mourir comme ça. Sharaba, Sharaba Baba, Sharaba Baba. L'église, nous sommes en prière. Église, prions, Église, prions, Église, prions, Église, prions, Église, prions. Ceux qui sont connectés aussi, prions le Seigneur. Sharaba, Sharaba, Sharaba. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta miséricorde, ta miséricorde, ta grâce, ta grâce, ta miséricorde, miséricorde sur ton église, miséricorde sur ton peuple, miséricorde sur ma vie, miséricorde, miséricorde sur un leader qui est connecté, miséricorde sur la vie d'un politicien qui nous suit à partir de son bureau, miséricorde dans la vie d'un juriste, d'un médecin, d'un grand esprit qui est dans le séculier. Ta grâce, ta miséricorde. Hallelujah. 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 Shara mama, senene, era mama, shara baba, shededede, jorodoro, shara baba. Nombre 13, le verset 30. Continuez à prier. Nombre 13, le verset 30. La Bible déclare, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y sommes vainqueurs. Je répète, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je dis à quelqu'un, de la même manière que Caleb était au milieu de la foule, d'une réunion des enfants d'Israël. La plupart avaient peur d'aller à Canaan parce qu'ils avaient vu des hommes qui étaient des géants. Mais Caleb a eu cette révélation. Il dit, montons, et nous serons vainqueurs. J'ai dit à un grand esprit, j'ai dit à un grand esprit, au milieu des difficultés, Dieu va te rendre capable. Au milieu des difficultés, Dieu va te rendre capable. Celui qui me donne un amen, reçoit cela. Celui qui me donne un amen, reçoit cela. Alors commence à battre les mains, commence à déclarer. Au milieu des difficultés, Dieu me rend capable. Lève la voix, lève la voix. Chakapaya, rabababa. Commence à déclarer, commence à déclarer. Oh, je déclare, au milieu des difficultés, nous sommes capables par la grâce de Dieu. Commence à le déclarer, commence à le déclarer, commence à le déclarer, commence à le déclarer, commence à le déclarer. Par la souveraineté de Dieu, je suis capable. Par la grâce de Dieu, je suis capable de rencontrer cette personne, de renverser cette situation. Molopaya, Molopaya, Chakapaya. Commence à les déclarer. Par la grâce de Dieu, tout est capable. Tout est capable. Par sa souveraineté, il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Pray, 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 pray. Chakapaya, Soparaka, Sedabagabaya, Saparaba, Korobobobo, Sorobobobo, Shataraba, Torobosha, Torobosha, Sede, Sharamana, Sarabaraba, 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 Sarabaraba. Pray, 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 pray. Pourquoi tu es assis? Pourquoi tu es assis? Va les mains, réveille-toi, lève-toi. Oh, Sharababa. Jérémie, Sharababa, Sarababa, Sharababa, Sarababa, Morokapaya, Sarabarabara, Sorabarabara, Jérémie. Déclare cela, tu es capable. Déclare cela, tu es capable. Par l'Esprit de Dieu, par la force du Saint-Esprit, déclare que tu es capable. Tu es capable, tu es capable. Monte, monte. Tu vas conquérir, tu vas gagner, tu vas gagner. Monte, tu es capable. Tu es capable, tu es capable. Là où papa a échoué, tu es capable. Là où maman a échoué, tu es capable. Là où les grands-parents se sont arrêtés, tu es capable d'aller au-delà. Tu es capable, 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 tu es capable. Tu es capable. Avec Jésus en toi, tu es un grand esprit, tu es capable. Tu es capable. Oh, tu es capable. J'entends quelqu'un dire, je suis capable. Je suis capable d'acheter cette maison. Je suis capable de faire ce projet. Je suis capable de bâtir cette œuvre. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Tu es capable de devenir sénateur. Tu es capable de devenir député. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Chaka, Chaka. Parce que tu es capable, continue à battre les mains. Demande à Dieu de t'équiper, de te donner la force, de te donner le pouvoir, de te donner la lumière, de te donner l'énergie. Parce que tu es capable. Hey, 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 hey. Chakapaya, Sorobobobo, Sharabaya. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Tu es en train de prier. Demande à Dieu le pouvoir, la puissance, la lumière, la force, la grâce, parce que tu es capable. Shalamama mama. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Le ciel est ouvert. Les oreilles de Dieu sont dans la maison. Dieu est en train de t'exaucer. Tu es capable. Il y a une grâce ici. Oh, Shalababa maman. La Bible déclare dans Exode 3, le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent. La Bible déclare, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je change. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance que tu es en train de subir à Kinshasa. Je change. L'Éternel dit, je vois la souffrance que tu as au travail. L'Éternel dit, je vois l'oppression que te fait subir ce mariage. Je vois la belle famille t'oppresser. Je vois la sorcellerie t'acharner. Dieu dit, je descends moi-même. Chacun. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus, je déclare, par rapport à cette situation, l'intervention que je n'attends, l'intervention que j'attends, ne viendra que de toi. Que le ciel soit ouvert. Viens me délivrer de la main des oppresseurs. Viens me délivrer de l'oppression de l'ennemi. Viens me délivrer. Ne me laisse pas mourir. En Égypte, bats les mains, commence à les déclarer au nom de Jésus-Christ. Oh! Soborobokosha. Rekete. So Saka. Rababa. Rababa. Baraba, l'intervention ne vient que de Dieu. J'élève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra. Les secours me viennent de l'Éternel. Tu as les secours dans ton mariage de la part de l'Éternel. Oh, je parle à quelqu'un qui prépare son mariage, qui rencontre l'oppression de l'ennemi. Reçois cela. Alors que tu es en train de battre les mains, l'intervention de Dieu est en train de venir vers toi. Paix, paix, paix. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens en intervention de ton peuple, viens en intervention de ton peuple, viens en intervention. Shakapaya, parababa, sapora, shekataba, rakaporaba, sokaparaba. Oh Dieu, soro, shaka, para, shaka, pora, soka, sakapaya, shaka, porabaya. Tu es à l'étranger, tu es loin de ta famille, tu es en train de souffrir, tu es dans une relation où tu es en train de souffrir. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Grand esprit, grand esprit, grand esprit, Ta source vient vers toi. Ton rédempteur vient vers toi. Shakapaya. Moulakapaya. Moulakapaya. Israël ne mourra pas en Égypte. Israël ne mourra pas en Égypte. Israël ne mourra pas en Égypte. Je vois un garçon battre les mains. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas au village. Je ne mourrai pas fonctionnaire. Je ne mourrai pas pauvre. Ça. Reçois ça. Sorobobo ça. Erekaturakapa. Walakourakaturakapa. Sorokopurakapa. Pray. 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 Saka. Alors que tu es en train de battre les mains, tu demandes l'intervention de Dieu. Que Dieu te délivre de toute forme d'affliction. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. De la stérilité. De la stérilité. De l'improductivité. De l'infirmité. Sakapaya. Sokopaya. Rakapaya. Tu es un grand esprit. Tu es un grand esprit. La stérilité ne peut pas te bloquer. Oh, Sakapaya. Je commence à avoir envie de prier. Sakapaya. Ratatatatatatatata. Rapapapapa. Au son de la trompette. Si tu me donnes un amen, tu reçois cela. Ton secours est en train d'arriver. L'intervention est en train d'arriver. Au son de la trompette. Si tu me donnes un amen, reçois le secours. Sarabababababa. On a touché ta femme, on a touché tes enfants, on a touché ta santé. Au son de la trompette, toi qui es connecté maintenant, reçois ton intervention. Au son de la trompette, reçois cela au nom de Jésus. Paya, rakapaya bababa, para baba baba, sapara. Oh, mouleke paya, mouleke paya. Mouleke paya, mouleke paya, mouleke paya, mouleke paya, mouleke paya. Skaparakata, Starapaka, Strakaparakapaya, Strakaparaka, Saparaba, Saraparaba, Soraparaba, Separa, Soparada, Soparada, Soparada. Toi qui es malade, toi qui es malade, toi qui es alité, toi qui es malade, au son de la trompette, reçois ta visitation, reçois ta guérison. Grand esprit, au son de la trompette, reçois la guérison. C'est la capa. Dans cette atmosphère, la stérilité part à cause de l'intervention de Dieu. Sakapaya. Tu es entrepreneur. Tu as des projets stériles. Au son de la trompette. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Au son de la trompette. Reçois la capacité de produire. Sakapaya. Rukatakata. Sokapaya. Seketera. Sokatara, Porakapa, Sopara, Rabada, Rabada, Parabada. Pray, 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 recharge. Oh, Sapa, Sapa. Toute forme d'handicap, toute forme d'improductivité, toute forme d'infirmité qui t'est touchée au son de la trompette. Aïe, aïe, aïe. Seré de Bocha. Sora, Shakapa, Shedede, Sopa, Sanadadadada, Pura Baba, Sota da Shapa papa. Va les mains, ton intervention est devenue. Hey. Shaparaba. Rakapayaba, Sokapara, Rakapora Baba, Shekere Bobo, Sotere, Sotereka, Ratata, Rapapa, Rapora, Shara, 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 Para, Pera, Kea, Soka, Pora, Soka, Paya, Rapa. Reçois cela au nom de Jésus. Pray, 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 pray. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu es assis? Lève-toi, lève-toi. Enlève les chaussures. Un grand esprit en train de prier. Alors que c'était l'heure de la mort qui arrivait, la Bible dit Jésus s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. J'ai dit à quelqu'un, quel que soit le nom de ton adversaire, le secours vient de la prière. Choka, Raka. Poreka, poreka, poreka. Hey, Jaka. Karabara. Sarama. Sharaba. Shabara. Suraba. Suraba. Shirababa. Senebe. Seneda. Surababa. Suraba. Kurababa. Sadadadadada. Poradadadadadadadada. Sadadadadadada. Tout celui qui est sous le son de ma voix, même si tu nous suis à la télévision sur Power Channel, même si tu nous suis sur YouTube, de là où tu es, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Rabakapaya. Même si tu es dans un véhicule, garde-toi. Sors du véhicule, tiens-toi debout. Paramakapaya. Zandele Kapaya. Rakatura Makapaya. Rababababasha. Écoute ce que la parole de Dieu dit pour toi ce soir. Acte 12, premier verset jusqu'à 11. Je vais lire. Tiens-toi sur tes pieds. Soit tu es à genoux, soit tu te tiens sur tes pieds. À cette époque, le roi Hérode Agrippa s'est saisi de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Je dis à un grand esprit, sur la terre, il est possible que tu rencontres un autre esprit qui veut te décapiter. My God. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, je dis à un grand esprit, il y a des gens dont ta souffrance leur fera plaisir. Il y a des gens qui ont juré te voir par terre. Il y a des gens qui attendent la fermeture de l'église et portes des cieux. Il y a des gens qui veulent te voir échouer dans le mariage. Il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Il les fit appréhender, emprisonner. C'est possible sur cette terre qu'on arrête un grand esprit et qu'on puisse l'emprisonner. C'est possible. Et placé sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats. Oh, chacun, il voulait les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait. Chakaba. C'est possible que quelqu'un à qui Dieu a donné des grandes révélations soit en train de dormir à cet instant. Pierre a reçu les clés de l'église, mais face aux portes de la prison, il n'avait pas de clés pour ouvrir la prison. Maintenant, écoute. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il était attaché avec des chaînes. Et des gardes étaient avec lui devant la porte de la prison. C'est possible qu'un grand esprit soit enchaîné. C'est possible que des grands rêves soient maintenus quelque part. Maintenant, écoute. Ah! Hey! Hey! Et voici, survint un ange. Et voici, survint un ange. Lève les mains vers le trône. Karamacha. Au son de la trompette, qu'un ange quitte le ciel, vienne vers toi. Oh, Shakabaya Baba Baba. Mandez, mandez, mandez. Celui qui me donne un amen, reçois cela au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je ne suis pas Jacques, mais je suis Pierre. Dis à ton voisin, je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Alors que tu es en train de déclarer, au son de la trompette, tout projet de l'ennemi, pour t'éliminer, pour bloquer ta mission, qu'un ange quitte le ciel, viens te libérer au nom de Jésus-Christ. Viens libérer ta maison au nom de Jésus-Christ. Viens libérer tes finances au nom de Jésus-Christ. Viens libérer ta santé au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Molokapaya. Hey, hey. J'entends quelqu'un dire, je ne mourrai pas à Kinshasa. Je ne mourrai pas chômeur. Je ne mourrai pas employé de quelqu'un. J'entends un jeune homme battre les mains, je ne mourrai pas pauvre. J'entends une maman battre les mains, mes enfants ne seront pas de déshonneur. Chakapaya. Alors que tu es en train de battre les mains, alors que tu es en train de battre les mains, qu'un ange quitte le ciel. Qu'un ange quitte le ciel. Qui sont les anges? Ce sont des serviteurs de Dieu. Les anges sont des lumières. Les anges sont des lumières. Une lumière vient renforcer une lumière. Une lumière vient rencontrer une lumière. Reçois cela. Au son de la trompette, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Molokapa, Sapa, Sheketebaya, reçois cela, reçois cela. Dans mon esprit, je vois un jeune homme en train de sauter. Reçois cela, reçois. Kapaya. Parce que tu es en train d'avancer, fonce. Parce que tu es en train de sentir ton corps commencer à lâcher, alors fonce. Quand tu commences à sentir tes poumons lâcher, c'est là que ton esprit commence à travailler. Quand tu commences à sentir ta tête lâcher, c'est là que ton esprit commence à travailler. Quand tu commences à sentir une faiblesse charnelle, c'est là que ton esprit est en train d'avancer. Si tu as des douleurs dans ton corps, comprends que c'est maintenant que tu dois accélérer. Si tu commences à sentir la fatigue s'installer, comprends que c'est à ce moment même que tu dois foncer. Quelques minutes avant l'accouchement, les contractions deviennent insupportables. Tu es sur le point d'accoucher ta bénédiction. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Avance, 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 sors du rocher, sors du rocher. Ne t'empêche pas de prier. Tu es dans les réseaux sociaux, prie. Je suis sur Power Channel. Prie. Au cas où tu n'as plus de parole, sois alors en train de prier en esprit. Je ne sais pas combien de minutes ça va prendre. Je ne sais pas combien de minutes ça va durer. Mais ne t'arrête surtout pas. Ne t'arrête surtout pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue de prier. Je ne sais pas combien de secondes ça va prendre. Je ne sais pas combien de minutes ça va prendre. Mais en ce moment même, alors que tu commences à sentir tes poumons lâchés, alors que tu commences à sentir ta voix même lâchée, alors que tu commences à sentir ta tête lâchée, c'est en ce moment que ton esprit est en train de travailler. Accorde-toi ce précieux moment. Prie. Bats les mains et sois en train de prier. Ne laisse pas la fatigue de ton corps t'empêcher de prier. Au cas où les paroles n'y sont plus, prie en esprit. Mais rassure-toi de ne pas arrêter. Tu es sur le point d'engendrer quelque chose. Hello, Kadobalaka Tebakite. Shakatamaduda Katebaluta. Belututu Kandude me Kandude. Bekutalito Kalasuta Maya. Pelo Sota Palakate. Bekorede Mekasuba. Lavada. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui sont en train de prier. Au nom de Jésus, bats les mains une fois, bats les mains deux fois, acclame pour le Seigneur. Vérifie si tu te rends compte que ton corps ne supporte plus. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'avant la naissance, les quelques secondes qui précèdent la naissance, les contractions deviennent insupportables. Yes. Tu es sur le point de donner naissance à ta bénédiction. Yes. Tu ne m'as pas attendu. Tu es yes. sur le point de donner naissance à l'exaucement de ta prière. Yes. Pourquoi ton corps ne supporte pas? Yes. Parce que ton esprit est en train d'accoucher. Yes. Hey, je ne sais pas à qui j'ai parlé. Yes. Je suis en train de décréter et déclarer. Hallelujah. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Yes. Si tu as foncé dans la prière, yes. si ton corps t'a lâché, yes. je suis en train de prier comme souverain, comme sacrificateur et prophète. Yes. Je décrète et déclare yes. que c'est le jour de la naissance de ton exaucement. Yes. J'aimerais dire ça autrement. J'aimerais décréter et déclarer yes. que tu viens de donner naissance à ton exaucement. Yes. Les problèmes que tu avais autrefois, ça devient directement un sujet de témoignage. Yes. Jette-moi ton sujet de prière. Yes. Je t'informe que ce sujet de prière, yes. c'est la toute dernière fois de ta vie yes. que tu mentionnes ça comme un sujet yes. de prière. Parce que la seconde qui va suivre, yes. ce sujet de prière devient un sujet de témoignage. Yes. Je parlais à la mauvaise personne. Yes. J'étais en train de dire à une sœur. Yes. J'étais en train de dire à un frère. Yes. Ton sujet de prière de ce soir yes. devient un sujet de témoignage. Yes. Si tu priais pour l'obtention de visa, j'aimerais t'informer. Tu vas maintenant glorifier Dieu pour l'obtention de visa. Yes. Si tu priais pour un voyage, tu vas maintenant glorifier Dieu pour ce voyage. Yes. Si tu priais pour la fertilité, tu vas maintenant glorifier Dieu pour la fertilité. Yes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Si c'est à toi que je parle, dis-moi yes. Yes. Dis-moi yes. Yes. Frère, j'aimerais t'informer d'une chose. Nous sommes au 8e jour de Recharge 21. Est-ce que je peux te dire une vérité? Yes. Naaman devait se jeter combien de fois dans l'eau? Il devait se jeter 7 fois. Et après, il allait constater sa guérison. Mais il y a aussi quelque chose. Le peuple devait tourner. Mon Dieu, mon roi. Il y a des gens qui commencent à comprendre ce que je suis sur le point de dire. Jéricho était dressé devant eux. Dieu ne les a pas envoyés de frapper ou de cogner, mais Dieu les a envoyés de tourner Jéricho. Mais c'était combien de fois? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. En d'autres termes, pendant 7 jours d'affilée, Dieu a amené ton esprit à un niveau. Dieu a permis à ton esprit de toucher une dimension de la perfection. Yes. En d'autres termes, ce qui pouvait être impossible pour ton esprit hier, ce qui pouvait être difficile pour ton esprit quelques jours passés, au moment où nous sommes, yes, tu deviens l'homme le plus dangereux de la planète Terre. Yes. Tu deviens la femme la plus dangereuse de la planète Terre. Yes. J'aimerais que tu décrètes et déclares ce que tu veux voir. Yes. Je ne sais pas te donner de sujet de prière, yes, mais je suis en train de te permettre de professer des réalités que tu veux voir. Yes. Ils t'ont dit que c'est fini pour toi. Je t'informe que ça vient de commencer pour toi. Ok. Cette parole, c'est pour ceux qui me disent un grand amen. Yes. Ils ont dit que tu es pauvre. Je viens t'informer que tu es plus riche. Yes. Non, je sens que je dois insister là. Il y a de ces richesses qui n'ont jamais existé avant toi. C'est de cette richesse dont je suis en train de parler. Yes. Ils ont dit que dans votre famille, vous n'arrivez pas dans tel point. Le problème, c'est que avant d'arriver quelque part, il faut toujours que quelqu'un arrive pour ouvrir la porte aux autres. Ok. Le problème, c'est que toutes les personnes qui ont essayé, ce n'étaient pas elles qui étaient mandatées. Ok. Ce soir, je parle à celui qui est mandaté par Dieu. Yes. Ce soir, je parle à la méthode de Dieu pour cette famille. Yes. Si ça n'a jamais été avant toi, c'est que ça commencera par toi. Yes. J'étais en train de dire à quelqu'un, si ça n'a jamais existé avant toi, c'est parce que ça commencera par toi. Yes. Ah, dans l'histoire de votre famille, aucune personne n'a touché de telles sommes. C'est parce que ça devait commencer par toi. Amen. J'ai l'impression que je parle à la mauvaise auditoire. J'aimerais dire à une personne, pendant quelques minutes alors que tu étais en train de prier, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Yes. Non, tu ne comprends pas. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Yes. Et j'ai vu la main de Dieu en ta direction. Amen. Ce que j'aime, lorsque la main de Dieu s'oriente dans la direction d'une personne, ça vient d'achever la saison de la main des hommes. Yes. Et ça vient d'ouvrir la saison de la main de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, tout ce que tu faisais avant par forcing, yes, tout ce que tu faisais avant en courant derrière le dos des gens, yes, tu vas te rendre compte après aujourd'hui. Yes. Tu auras l'impression de ne plus faire quelque chose, mais il y a une main qui ne se fait pas voir, mais qui sera en train de te donner tout ce pourquoi tu t'es bâti. Est-ce que nous sommes dans recharge? Yes. J'aimerais dire à un esprit, yes, que ton esprit est en train d'être rechargé. Yes. Je ne sais pas à combien de pourcents tu es, mais j'aimerais t'informer que tu deviens de plus en plus dangereux. Yes. Dis-moi le meilleur des amens, je te bénis. Amen. Je suis sur le point de faire de fortes déclarations prophétiques. Est-ce qu'un esprit est prêt? Yes. Est-ce qu'un esprit est prêt? Amen. Les secondes qui vont suivre, ça sera la seconde ou bien des minutes où l'eau était agitée dans Bethesda. Yes. Hein, tout dépendra de ta capacité de te jeter les premiers. Yes. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Yes. Je suis dans Job chapitre 11 de 15 au 20e verset. Toi ne lis pas. Toi, prépare-toi à recevoir ces paroles avec un amen. Fais de ces paroles siennes. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu as préparé tes amens? Yes. Il est écrit dans la parole de Dieu. Alors tu lèveras ton front sans tache. J'aimerais dire à une personne, yes, toutes choses qui étaient l'image d'une tâche, yes, qui faisaient en sorte que tu puisses avoir honte pour ne pas élever ton front. Yes. En ce soir, alors que je suis en train de parler, yes, toutes ces tâches disparaissent au nom de Jésus. Voilà la raison pour laquelle, après cette prière, tu vas élever ton front, yes, sans pour autant avoir peur. Yes. Tu seras ferme et sans crainte. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Autrefois, on te faisait peur, okay, mais c'est maintenant toi qui fais peur. Yes. Autrefois, tu te sentais obligé de prier avant de dormir parce que tu avais peur d'être oppressé la nuit. Ils ne vont pas comprendre. Yes. La femme qu'ils étaient habitués à oppresser, yes, l'homme qu'ils étaient habitués à oppresser, yes, ils vont venir chez toi, yes, ils seront en train de se jeter dans la gueule des loups. Amen. Cette nuit même, que tes adversaires rêvent de toi. Yes. J'ai parlé à la mauvaise personne. Yes. C'est cette nuit même, ils rêveront de toi. Dis-moi amen, j'avance. J'aime ce que je vais dire. Okay. Il est écrit, tu oublieras tes souffrances. Yes. Yes, yes. Je te donne l'opportunité pour la dernière fois de te rappeler de tes souffrances. Okay. Parce qu'après cette réunion, yes, tu deviendras amnésique de tes souffrances. Yes. Dieu va te faire tellement du bien. Yes. Et Zambénangaï. Zambénangaï. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Et lorsqu'on parlera de tes souffrances, hein, le seul souvenir que tu en auras, c'est que ça fait partie du passé. Ok. Hein, ça ne fait plus partie de ta vie, yes, mais ça fait partie du passé. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. J'aime ce qui est en train de venir. J'aimerais que tu actives ton esprit. J'aime ce qui est en train de suivre. Il est écrit dans la parole de Dieu. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à midi. Ouh. Mon Dieu! Mon Dieu, yes, mon Dieu, yes, on n'est pas en train de parler de soleil au petit matin. On ne parle pas de soleil à 11h. On parle de soleil à midi. Ça veut dire que c'est le moment où l'ombre disparaît sur terre. Lorsque le soleil est aux élites, toutes les ombres disparaissent sur la planète Terre. Et ici la Bible dit, tes jours auront de l'éclat, plus que l'éclat du soleil à midi. Yes. Au-delà du fait que Dieu t'accorde la lumière, au-delà du fait que Dieu t'accorde la lumière, la bonne nouvelle est que tous les ombres disparaissent de ta vie. Jésus. Tous les ombres disparaissent de ta vie. J'aimerais dire à une personne, toutes choses qui faisaient vivre des pages noires dans l'histoire de ta vie, ces histoires n'auront plus vie, n'auront plus place à ta vie. Yes. Est-ce que je suis en train de parler à la bonne personne? Yes. Est-ce que quelqu'un est en train de préparer son esprit? Yes. Shadalabaya, Sopladabaya. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu seras plein de confiance, okay, et ton attente ne sera plus vaine. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, tu as longtemps attendu des exaucements, ça semblait être comme vaine. Je viens t'annoncer une saison où aucune de tes attentes sera vaine. Yes. Tu attendras quelque chose de Dieu, yes, tu recevras la chose. Yes. Eh, Nzambenangai, yes, tu as reçu des promesses de la part de Dieu. Yes. Ça tardait, oui, il est écrit, même si elle tarde, elle s'accomplira, hein, certainement. Je viens t'introduire dans une saison. Yes. Qui est la saison des accomplissements? Dis-moi amen, je t'ai béni. Amen. Tu ne recevras plus une prophétie de plus. La saison qui arrive, c'est l'accomplissement des prophéties que tu as déjà reçues. Dieu ne te donnera pas une prophétie de plus sans pour autant réaliser tout ce que tu as déjà reçu. Je suis en train de voir des vies être métamorphosées. Yes. Eh mon Dieu, que Dieu bénisse ceux qui s'accaparent avec les offrandes. Yes. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu te coucheras sans que personne ne te trouble. La première dimension, c'est qu'aucune personne ne va te troubler. Okay. Mais la deuxième dimension, par extension, je le déclare comme prophète de Dieu, toute personne qui faisait objet de ton trouble, il quittera la vie avant toi. Yes. En moins que je sois en train de m'aventurer dans cette chair. Yes. Mais si tel n'est pas le cas, s'il y a des anges du Seigneur en ce lieu, sous l'onction de mon Père, toute personne qui te fait manquer la paix, il part en paix. Yes. Toute personne qui te fait manquer la paix, il se repose lui aussi en paix. Yes. Il se repose en paix. Yes. Nayote, amen, nayote. Amen. Shabala, les mantobaya, yes, ce que j'aime, il est écrit, et plusieurs caresseront ton visage. Ne prends pas ça dans le sens littéral. Si le visage d'une personne est le miroir, malabaka sopla, est le miroir de son cœur, En d'autres termes, tu entres dans une saison où plusieurs seront en train de faire du bien à ton cœur. Tu entres dans une saison et tes ennemis, et tes alliés, et des inconnus, ils seront en train de caresser ton cœur. Tu te poseras la question pourquoi? Simplement parce que tu reçois la parole du prophète avec un amen. Je n'ai pas attendu ton amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est écrit dans la parole de Dieu: mais les yeux des méchants seront consumés. Et malasopa, les yeux des méchants, que ça soit consumé en cette nuit même. Amen. Et je ne sais pas à qui je parle. Et il est écrit: pour un point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Ceux qui sont tes alliés, ils ont la bonne nouvelle de vivre en paix. Mais ceux qui sont tes ennemis, ils ont la mauvaise nouvelle de se reposer en paix. Je libère cette parole sur toute personne qui me donne un grand amen. Que les anges de Dieu en ces lieux, que les anges de Dieu, que les esprits qui attendent ma voix sont en train d'accomplir cette parole sur toute personne qui me donne amen. J'aimerais décréter cette parole sur toute personne qui dépose une offrande à l'autel. Laisse que toutes les personnes qui te ravissent la paix, qu'ils puissent se reposer aussi en paix. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. De la même façon dont tu es en train de déposer cette offrande, tu es en train d'enterrer toute personne qui s'est levée comme ton ennemi. Tu es dans les réseaux sociaux. Sers-toi de code qui erre. Aujourd'hui, c'est ta nuit. Ils t'ont oppressé beaucoup de nuits. Il t'a fallu qu'ils ne scellent nuit pour finir avec leur histoire. Le Dieu de 21 jours, le Dieu de Recharge 21 est en train de nous faire du bien. Parce que tu crois que c'est ton cas, tiens-toi sur tes deux pieds et acclame pour le Seigneur. Si c'est comme ça que tu acclames pour le Seigneur, je suis choqué. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux joindre à tes acclamations le cri de joie? Alléluia. Est-ce que tu peux joindre à ces cris de joie le cri de victoire? Acclame bien. Alors que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir les gens qui attendaient que tu tombes en train de te acclamer. Alors que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir les gens qui attendaient ton opprobre être ceux qui vont t'acclamer. Alors que tu es en train de pousser le cri de victoire, je vois les gens qui ont jeté des discrédits sur toi. Écoute-moi. Je vois les mêmes bouches qui ont jeté des discrédits sur toi être en train de pousser les cris de victoire à cause de toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toutes choses, il y a des ennemis, il y a des alliés. Dans toutes choses, il y a des atouts, il y a des défauts. Dans toutes choses, il y a des capacités et des incapacités. Mais ce que j'aime, toutes ces choses, même les ennemis et les ennemis, sont en train de concourir. Sont en train de faire une course, non pas pour leur bien, non pas pour t'achever, mais pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Lève-toi et crie: j'aime Jésus. J'aime Jésus. Rassure-toi que ta voix arrive au ciel. Crie: j'aime Jésus. J'aime Jésus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Waouh! Qui constate que nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Pourquoi il n'y a pas d'amen ici? Recharge 21, c'est un peu comme à nous Kamé, avec des particularités. Alléluia. Et je crois que Dieu a voulu que ce temps puisse avoir lieu, parce que c'est comme ça que nous donnons naissance aux semences qui a été ensemencées pendant tous ces temps. Dans la prière, tu donnes naissance aux choses. Tu n'es là peut-être pas encore maintenant, mais laisse le temps au temps. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui: Tout ce qui l'attend, on attend. Alléluia. Alors on va faire les offrandes et on va partir d'ici. Amen, amen. Vous êtes arrivés en retard. Après le moment des offrandes, vous allez vous approcher. Les protocoles, aidez-nous s'il vous plaît avec les paniers. Donne high five à ton voisin, dis-lui, recharge 21. Est-ce que tu sens ton esprit être rechargé? Vous êtes dans les réseaux sociaux, écrivez recharge 21. Approprie toi-même de cette déclaration, écris je suis rechargé, je suis rechargé. Dieu est en train de nous faire du bien ici. Amen, amen. Comme j'étais en train de le dire, vous êtes arrivés en retard. Vous allez vous approcher avec les offrandes qu'il dans les paniers qu'on nous serre entre les mains. Et ici à l'autel, on va déposer l'offrande qu'on appelle communément l'offrande du prophète pour honorer l'onction et la grâce qui ont travaillé ce soir. Et vous avez vos dîmes ou bien vous avez des actions de grâce. Dieu vous a fait du bien d'une manière ou d'une autre. Vous voulez lui rendre grâce par votre offrande. Approchez-vous de notre frère, prenez l'enveloppe et on va les faire. S'il vous plaît, levez-vous et approchez, soyez en train de parler. Il y a l'atmosphère ici. Dans cette atmosphère, tout ce que tu fais, fais-le en train de déclarer, fais-le en train de parler. L'éclat de ta vie. Approchez, approchez avec les offrandes. Il ne faut jamais dans des atmosphères pareilles te dire « j'ai déjà fait beaucoup d'offrandes ». En tout cas, oublie, sème les matins, sème les soirs, parce que tu ne sais pas quelle est la semence qui va donner les fruits. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, quand tu es dans la présence de Dieu, ne calcule plus pour ce qu'il y a dans tes poches. Dis-toi, c'est à Dieu, ça appartient à Dieu. Alléluia. Soulevons nos enveloppes, on va prier. Je sens Dieu ici. Éternel Dieu, nous nous approchons encore une fois de plus devant toi avec nos dîmes qui est l'expression de notre adoration financière. Qu'il te plaise, Seigneur Dieu, puisque nous avons été loyaux, qu'il te plaise que la bénédiction ainsi que tout ce qui va avec l'obéissance à cette loi s'attache dans nos vies au nom de Jésus. Et que les 9/10 puissent connaître l'impact de ta main et l'impact de tes bénédictions. Au nom de Jésus, amen. Déposons sur l'autel. Comme on a l'habitude de le dire, Recharge 21, ce n'est pas seulement la grande plénière. Recharge 21, suivez ça vraiment comme une cure pour votre guérison. Suivez ça à l'heure de midi qui est à 12h juste. Suivez, venez dans la grande plénière telle que nous sommes là. Nous passons des moments formidables, mais aussi à la maison. Soyons tous connectés à la guerre de minuit. Dieu nous fait du bien dans toutes les sessions de Recharge 21. Combien sont bénis depuis qu'on a commencé le programme? Et demain, samedi, on n'a pas culte en présentiel. Demain, samedi, on a culte à 12h, à guerre de midi. Donc, demain, il n'y aura pas culte le soir, il n'y aura pas culte la nuit. On n'en aura qu'une seule session qui est la guerre de midi. Ne ratez surtout pas la guerre de midi parce que c'est la seule session qu'on aura demain. Et dimanche, nous serons ici. Nous tenons à insister et à vous inviter. Vous qui êtes à la maison, vous êtes habitués de nous suivre par les réseaux sociaux, la télévision. Répondez présent en présentiel. J'ai fait même une publication récemment où je disais, tout ce que l'on poste, les photos, les extraits, vraiment, ensemble avec ceux qui sont ici, ils peuvent vous dire, ça ne ressemble à rien de la réalité de nos cultes. Être en présentiel, c'est plus mieux que les extraits que nous avons là dans les réseaux sociaux. Donc, si vous pouvez être là, déplacez-vous, soyez là. Le Dieu de la maison va vous rencontrer et il vous fera du bien. C'est pour vous la toute première fois de prier avec nous en présentiel. Balancez juste la main. On va vous recevoir ensemble avec l'Église. Vous êtes à la... C'est pour vous la toute première fois. Levez-vous, s'il vous plaît. On est en train de vous remettre des fiches. S'il vous plaît, remplissez-les. Permettez-nous d'avoir vos coordonnées afin de vous être utile selon que Dieu va les permettre. S'il vous plaît, restez debout. L'église Porte des Cieux, aujourd'hui, c'est la grande communauté des églises Porte des Cieux, chapeautée par les pères de la maison qui est les visionnaires, les prophètes Joël Francis Tatu. Et je suis parmi les pasteurs de l'église et de la communauté. Ça a été une grande joie de vous compter parmi nous ce soir. Mais si vous avez déjà une église, Recharge 21, c'est un programme pour l'église corps du Christ. Vous pouvez être là, vous pouvez suivre ça jusqu'à la fin pour votre bénédiction et la bénédiction de vos familles. Mais si vous n'avez pas d'église, nous serons extrêmement contents de vous compter parmi nous qui sommes de la grande famille des églises Port des Cieux. La raison pour laquelle, regardez comment l'Assemblée vous acclame, parce qu'on sera extrêmement content de vous compter parmi nous. Alors, les fiches que l'on vous a remises, ne partez pas avec. À la fin du culte, vous allez voir un de nos protocoles qui sera avec les paniers, je crois, à la sortie. Vous allez déposer et ça nous permettra de garder contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je n'ai rien oublié. Le dimanche, nous tenons à insister que le dimanche, on a des cultes prophétiques sans demain. En cette période, Dieu a ordonné encore à notre Père de revenir sur les dimanches de transformation nationale qui était là le dimanche matin de la fois dernière. C'était juste super. Et le Père de la maison continue encore ce dimanche matin. Il y a même les affiches déjà dans les réseaux sociaux. Tu es de la porte des cieux, riposte, partage. Et le dimanche soir, on aura aussi notre grande plénière de Recharge 21. Et le Père de la maison avait déjà annoncé, je crois, depuis quelques jours, que le dimanche, il va faire les services. Depuis que l'on a commencé, il est dans la parole et nous connaissons lorsque le Père informe comme ça, il faut se préparer en esprit et surtout s'attendre à Dieu parce que Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer? Acclame pour le Seigneur. En tout cas, ne t'empêche pas d'acclamer pour le Seigneur parce que je crois et je sais que Dieu ce soir nous a fait encore de bien davantage. Alléluia. Alors on va prier. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ces moments de qualité que nous passons dans ta présence. En présentiel pour nous qui sommes là, mais en virtuel pour tous ceux qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux, bien de Power Channel. Père éternel Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Mais Seigneur, nous te promettons de te rendre à toi et à toi seul toute la gloire ainsi que l'honneur et même témoigner lorsque l'on touchera nos exaucements que tu nous as accordés en cette nuit. Le chemin de retour pour nous qui étions là ce soir entre tes mains, loin de nous Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, nous déjouons tous les plans du diable, nous paralysons tous les plans du diable. Mais laisse que Seigneur Dieu, ta grâce, ta bénédiction nous accompagne jusque dans nos demeures. Au nom de Jésus, amen. Rentrons dans la paix du Seigneur, shalom.